Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on teste un produit dont on m'a longuement vanté les mérites, que j'avais hâte d'essayer. Bah du coup, pourquoi s'en priver hein? Allez, on est parti. Le produit que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un produit dont on m'a, comme je t'ai dit en introduction, vanté très souvent les mérites parce que efficace et diluable, ce qui en fait un produit économique, donc top. Et pour ça, on retrouve nos amis de chez Alchimie avec ce produit-ci, donc le VP, soit Vitre Pro Ultra Concentré. Donc bien sûr, c'est un produit, comme tu l'as compris, vitre, qui s'utilise sur l'intégralité des surfaces vitrées, intérieures bien sûr, mais aussi extérieures. Et aussi tout ce qui est vitre en polycarbonate. Il est donné pour éliminer efficacement toutes les traces d'eau, mais aussi les résidus d'insectes, t'as les moustiques, mais aussi de goudron, le film routier, les traces de nicotine sur les vitres intérieures assez grasses et également sur les miroirs. Donc bien sûr, sa formule ne laisse aucune trace et aucune strie, tu sais. Quand tu passes des fois le produit, ça nettoie ta vitre, mais tu as ces espèces de stries qui restent. En fait, ce produit a une composition spécifique et qui fait qu'il a une évaporation lente, ce qui va te permettre une utilisation, pour moi c'est très important, également par temps de chaleur, genre en été. Ou pas que, comme tu vois, le soleil y est très souvent chez moi, plus que la pluie. En plus, il va venir déposer un film protecteur effet déperlant. Tu peux même, au cas où, si tu es en rade d'IPA, tu peux l'utiliser pour retirer les traces de polish sur les plastiques et les joints de fenêtres, tu sais. Et si tu possèdes des vitres teintées, et je sais que vous êtes nombreux à les avoir, sache que tu peux l'utiliser en sécurité parce qu'il est sans ammoniac. Alors on en revient à la façon économique d'utiliser ce produit puisque diluable. Tu peux le diluer entre 5%. Je sais pas si tu vois, 5%, 5% et 33%. En gros, avec 1 litre, je peux recréer 20 litres de produit. Je te rappelle les surfaces sur lesquelles tu peux utiliser le produit, verre, miroir, pare-brise, rétroviseur, mais pas que. Tu peux l'utiliser sur d'autres surfaces en dehors de ton véhicule. Eh oui, tu sais que moi j'aime bien détourner les produits detailing pour le detailing habitat. Bah là, il est prévu pour. Tu peux aussi l'utiliser sur les vitres de tes meubles, sur les vitrines de magasins, mais également sur les cabines de douche en verre. Enfin, tu peux aussi y mettre le glaco. Je l'ai fait, ça tue. Si tu as loupé la vidéo, je t'invite à la retrouver juste ici et tu verras. Tu m'en diras des nouvelles. Donc écoute, on va se faire une petite dilution. Alors moi, j'ai toujours tendance à prendre un petit peu l'entre deux. Il est donné entre 5 et 33. Moi, je vais faire 10-15. Donc, je prépare ça et on se retrouve sur le vitre. Et tu vas voir qu'il y en a méchamment besoin parce que l'intérieur, ça fait un moment que j'ai pas fait de vitre. Alors, je suis à l'intérieur de mon véhicule et je vais essayer de te montrer en fait l'état de mes vitres. Alors c'est dommage, j'arrive pas trop à capter, mais elles sont sales en fait. Elles ont cette espèce de reflet, tu vois. On profitera pour faire les écrans aussi. Hein. Je pense que de l'extérieur, voilà, de l'extérieur tu vas peut-être mieux voir qu'il y a vraiment un film un peu comme une buée résiduelle. Mon pare-brise avant n'est pas propre. Les vitres extérieures, latérales, ça va, elles sont pas méchamment sales. Mais de l'intérieur, un petit peu la mienne. Mais voilà, j'ai une belle trace de main d'enfant ici, donc merci à Célia. Bien, donc je me suis mise dans mon garage et en fait c'est exactement cette trace de main que je voulais te montrer tout à l'heure à l'extérieur et qu'on ne voyait pas. Toutes les traces que tu vois là, voilà, cet aspect un petit peu comme de la buée, c'est toutes les traces qu'il y a à l'intérieur du pare-brise. Je vais essayer de te montrer de l'intérieur, tu vois, ça fait comme de la buée, c'est quand même assez sale. Voilà, donc je te propose qu'on utilise le VP et qu'on voit ce que ça donne. Donc déjà, je voulais te montrer ce que ça donne. Ça fait une belle couleur rose. Donc je l'ai dilué, comme je t'ai dit, à 15%. La couleur est trop belle, ça me plaît trop. Donc tout simplement, hein, shit, sur la vitre et on vient essuyer. Encore une fois, un produit qui sent bon. Et tu vois, et c'est vrai qu'il s'évapore pas vite, hein. Et bah là, à plus rien. Maintenant, on va faire le pare-brise dehors et intérieur. Bon, tu connais l'astuce maintenant. Tu relèves tes essuie-glaces avec le Komodo. Comme ça, tu peux les relever complètement. Et tu te libères le pare-brise en entier. Donc allez, chip, chip, chip. Il sent bon, hein. Franchement, ça sent pas le produit vitre. Bien, bien, bien. Ça nettoie bien. Ça laisse pas de traces.
que je vois, évidemment, c'est dedans. Comme d'habitude, hein, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je nettoie l'extérieur et ensuite, je nettoie l'intérieur. Vite fait. Ce qui me semble être suffisant. Mais une fois que j'ai nettoyé deux surfaces, intérieur et extérieur, je peux me dire, tiens, il reste une trace ici ou quoi, et bien faire dans le détail. Et pour l'instant, on va faire l'extérieur en gros. La naine que je suis, bien sûr, n'arrive toujours pas au milieu du pare-brise, hein. C'est chiant. Faut toujours que je mette mon escabeau pour faire ça, quoi. Donc maintenant, on part du principe que toutes les marques restantes sont à l'intérieur. Bien, alors on va se faire ici, parce que c'est ce que tu vois le mieux en contre-jour, je dirais. Donc j'ai changé de microfibre. J'espère que tu vas pas voir que ma grosse tête au milieu. Je vais mettre un petit coup sur le miroir, là. Oh la vache, c'est top. Je retourne la microfibre sèche. Alors moi, visuellement, il n'y a plus de traces. J'espère que ça va être le cas pour toi aussi. Le produit est vraiment top, quoi. Puriste sur les écrans et les miroirs aussi, c'est fou, hein. En 2 secondes, ça enlève tout, toutes les traces. Super. Allez, je finis le pare-brise et je te montre. Alors là, franchement, c'est la surprise du siècle. Je crois, très sincèrement, même avec mon astuce à 0 euros, c'est-à-dire bambou et liquide vaisselle, j'ai jamais eu les vitres aussi propres. Alors la prochaine fois, j'essaye en plus avec mes microfibres bambou et le VP. J'essaie de te montrer avec le reflet du coup de la lumière. Regarde. C'est splendide. Et je te montre, j'ai fait aussi hors caméra les autres vitres extérieures. Elles sont sans traces. Je sais pas, c'est incroyable. Et dedans aussi, quoi. Il n'y a aucune trace. J'ai fait aussi, du coup, les écrans intérieurs, les laquais noirs, le miroir, impeccable. Les rétroviseurs aussi. Là. Beau, hein. Je cherche une... Oh, il y a une petite trace là, mais qui n'a absolument rien à voir. Ça brille, hein. Et j'ai fait l'intérieur aussi. Zéro trace, c'est trop beau. La folie. Alors là, j'avoue, c'est la découverte, vraiment. J'en avais entendu beaucoup parler, en bien, évidemment. À l'utilisation, non, sincèrement, je fais pas des blagues. Essaye. En plus, c'est un format hyper économique. Écoute, j'avais jamais vu un produit vitre aussi efficace. Pourtant, j'en ai testé, hein. Mais pour l'instant, c'est lui le number one. En plus, de par le fait qu'il soit diluable, quoi, tu le prépares comme tu veux. C'est-à-dire que demain, tu as vraiment des vitres qui sont très très sales. Tu peux un peu plus le concentrer, tu le doses plus, tu vois. Après, si tu fais quelque chose en entretien, limite, tu le doses beaucoup moins. Essaye-le et tu me diras ce que tu en penses. Alors, ceux qui l'utilisent déjà peut-être à d'autres dilutions, faites-le moi savoir en commentaire si vous l'utilisez déjà à combien. Bah du coup, hein, je ne peux que te le recommander. Essaie-le et tu m'en diras des nouvelles. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mets un pouce si elle t'a plu. N'hésite pas à la partager pour faire connaître ce produit qui est loin d'être nouveau, mais pour qui pourtant n'a pas assez de communication dessus. Et puis bien sûr, commente, je t'ai demandé. Hein. Dis-moi si tu utilises déjà et à combien de dilution. Puis si c'est pas déjà fait. Hein. Abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi. Merci, merci, merci. Allez, il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je t'invite à retrouver Instagram et TikTok. Je te fais d'énormes bisous. Donc c'est pas génial. Mais non, mais les chats, mais cassez-vous. Mais non, mais sérieux. Allez, on sort de la golfinette. Allez. Avant de pisser, non mais dis donc. Oh. Bon, on voit rien en fait. Mais j'ai une tête. Ça, ça en... Oh.